Notre projet pour le road trip en Écosse est en train de se concrétiser. Avec les 2 années Covid, nous avions toujours reporté. Et là, on a gratté un peu sur les budgets pour pouvoir avoir l'argent nécessaire pour pouvoir partir en Écosse. Donc, comme vous pouvez voir sur cette carte, notre premier voyage en Écosse, notre arrivée s'est faite ici à Newcastle en bateau. Donc ici, on a opté pour le tunnel sous la Manche parce que le bateau, c'est, si mes souvenirs sont bons, 1 500 € aller-retour pour 2 personnes et la moto. Donc, ce qui implique pour ce voyage, pour cette année 2023, c'est de traverser toute l'Angleterre. L'étape la plus longue qui fera environ 780 km. Le tracé bleu, c'est le premier road trip. Et le tracé rose, c'est notre road trip ici pour 2023. Il reste encore quelques détails à définir. Il y a des hôtels qui ne sont pas encore réservés, mais ça devrait tarder. Donc je ne vais pas non plus dire que ce voyage est entièrement organisé par moi, parce que ce n'est pas du tout le cas. On a un ami qui est bilingue et qui adore l'Écosse aussi. On a fait un petit repas ensemble et puis on a discuté, on a jeté les idées sur la table comme ça, ce qu'on voulait faire. Avec 2 couples d'amis, donc on s'est mis d'accord et lui a fait les démarches auprès des hôtels. Donc on a échangé beaucoup par mail. Donc là, c'est pour ainsi dire bouclé. Le coût de notre voyage sera d'environ 2 600 €, les hôtels, le carburant et la traversée incluses. Pour les repas, il faudra compter entre 10 à 25 € suivant les endroits où nous serons. J'espère que ces petites explications vous auront satisfait. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos sur mon road trip en Écosse. Et je vous dis à tous, salut les amis, à bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce.